Ah bah non, ça va pas le faire. Bon, on change. Ça c'est mieux. On y va. Et oui, bonjour, bienvenue sur ObjectiveMoto.com. Et oui, comme vous le voyez, aujourd'hui on est sur un nouvel essai. On a changé de tenue puisqu'on a vraiment une moto tout à fait différente, puisqu'on est aujourd'hui au guidon de la Vosges Rallye 300, un monocylindre. Une moto entièrement prévue pour le fun et voire même l'enduro ou le tout-terrain, bien que vous allez voir pendant l'essai, on peut aussi l'utiliser sur la route. Alors aujourd'hui, on va aller forcément plutôt dans les petits chemins, voire là où il n'y a pas de chemin, pour tester cette moto. On va faire gaffe quand même parce que la moto, elle est neuve de chez neuve, elle n'a même pas 300 km au compteur. Donc forcément, on va faire attention. On va aller évidemment tester cette moto. Suivez-nous, vous allez découvrir ça en roulant. Et allez, c'est parti. Et pour commencer, une petite balade en sous-bois. Vous allez voir, c'est assez sympa comme machine. Puis, je vous laisse écouter un petit peu la sonorité aussi de ce mono. Tout de suite, je me suis éclaté avec cette moto. Elle est super légère, elle est super maniable. Et puis, on peut vraiment passer partout. Le débattement est largement suffisant. Les suspensions font le taf. Oh, c'est vrai que sur route, au freinage, si vous roulez un petit peu trop rapidement, voilà, ça plonge assez vite. Ah, c'est fun quand même. Si on marre le plus, enfin où le pilote se marre le plus, c'est surtout dans les petits chemins comme ceci, chemin de campagne, petite route, qu'elle soit asphaltée ou pas. D'ailleurs, je vous mettrai après la présentation, vous aurez même droit à une petite vidéo hors asphalte. Vous allez voir, c'est super sympa. Enfin, je me suis marré quoi. Mais bien sûr, c'est pas prévu pour les autoroutes. Ça vibre un peu de partout, des pointes arrive au-dessus des 120, mais c'est vraiment pas son truc. Non, ça, ici on s'amuse. Et puis pour une fois qu'on teste une petite cylindrée, enfin 300 quand même, bah, on le regrette pas quoi. Alors en ville aussi, la Vosges est à son aise, évidemment avec un grand guidon et une moto très légère, rien d'étonnant. Oh, il faudra juste évidemment veiller au mono parce que il faut savoir l'utiliser, le monocylindre. Mais l'avantage c'est que celui-ci est quand même très très souple et vous permet, vous voyez ici je suis en cinquième à peine 40 à l'heure et je peux accélérer jusqu'à 50, il n'y a pas de problème. C'est assez souple hein, pour un monocylindre, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ce qui fait qu'évidemment, comme ici en ville, c'est assez sympa à rouler aussi. Alors, il faudrait quand même faire attention au freinage, parce que comme vous voyez, la fourche avant plonge un petit peu au freinage et il faut quand même pas hésiter non plus à tirer sur le levier. Alors rappelons-le aussi que la moto elle est neuve, hein. Vous avez 266 km au compteur. Alors merci Vosges, hein, parce qu'il faut oser quand même nous filer une moto neuve. Alors on en prend soin, hein, c'est pas ça, on n'a jamais rendu de moto, enfin jamais, pas mentir non plus. Enfin, on fait de notre mieux, vous voyez, ça plonge quand même un petit peu au freinage. Ouais, c'est pas gênant, hein. Évidemment, si on compare par rapport à un Roadster ou un peu plus gros. Alors, les pneus, bah, ça, vous les verrez à l'arrêt. Bon, je suis un peu plus mitigé. Parce que, bon, évidemment, dans les chemins de terre, comme on a utilisé en début de la vidéo, ça fonctionne très, très bien.
sur route, ouais, je suis un peu plus dubitatif. Alors, à la question de savoir si on peut quitter la ville et les petits chemins, on va essayer d'y répondre ici. Alors là, je suis toujours en quatrième, on va passer pour monter à 70. Alors, la puissance maximale est quand même à 8500 tours minute. Km/h, c'est pas vraiment un problème, bien qu'on ait quand même limite. Alors effectivement, sur des routes comme ça, grand tournant, ouais, ça tient, hein, mais c'est un peu léger quand même. Bon, maintenant on va se trouver un petit endroit histoire que je puisse m'arrêter et vous montrer évidemment cette Vosges Rallye en détail. La voilà, cette Vosges 300 Rallye, comme vous pouvez le voir, elle est raide, neuve, de chez neuve, puisqu'on totalise à peine 300 km à son compteur. Alors merci Vosges, hein, déjà de nous faire confiance, de nous prêter une moto comme celle-ci. Alors évidemment, on en a pris soin, on n'a pas non plus fait tout et n'importe quoi à son guidon. Mais on a testé quand même pas mal de petits chemins, sentiers, et certains où il n'y avait même pas d'asphalte. Donc c'est super sympa en fait à essayer. Franchement, si vous n'avez jamais fait d'enduro, c'est peut-être une des motos sur lesquelles vous devriez vous pencher, tant elle est facile à utiliser, comme je vous le disais, hein, 158 kg à sec. Alors un monocylindre 4 temps, 26 chevaux, à 8500 tours minute et un couple de 25 Nm à 7000 tours minute. Mais bon, faut-il vraiment parler performance moteur, agrément sûrement, parce que cette moto, pour un monocylindre en tout cas, est très très souple à utiliser. C'est même surprenant, j'ai été franchement agréablement surpris par ce moteur. Alors, c'est vrai que les grands axes, c'est pas son truc, hein, l'autoroute non plus. Bon, on va tirer à 120 km/h, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est pas ce qu'elle préfère. Elle préférera largement les petites routes. D'ailleurs, vous le voyez, elle est montée vraiment comme une moto prévue pour le tout-terrain, avec des roues à rayons, une 21 pouces à l'avant et une 18 à l'arrière. Une fourche inversée KYB avec des battements avant et arrière de 240 mm. On a aussi, vous le voyez par exemple, autre signe qui ne trompe pas, on a aussi un protège-chaîne ici à l'arrière, en bas, ce qu'on trouve quasiment pas sur des motos de route. Vous avez même les pose-pieds crantés pour le pilote. On a aussi de série la protection du moteur, les protège-mains. On a cette petite bulle qui protège assez bien. Ça se voit d'ailleurs, elle en a bien pris en roulant. Alors la caméra, non, hein, c'est l'Insta360, c'est là, elle est à nous. Sur la partie cycle, on retrouve aussi donc un simple disque à l'avant, 265 mm, visiblement étrié de piston, avec, s'il vous plaît, un ABS qui est déconnectable, puisque vous avez ici le bouton ABS, ce qui vous permet évidemment de le débrancher. On retrouve à l'arrière un 220 mm. Et on a aussi droit à un écran LCD. Assez sommaire, ma foi, hein, puisque vous avez quand même la vitesse, le contour. Vous avez quand même le rapport engagé, ici en haut. Par contre, pas de jauge. Il faudra attendre que le témoin s'allume. On en est ici à peu près 110 km. Et bah, il ne s'est toujours pas allumé, donc c'est déjà pas mal, parce que, rappelons-le, nous n'avons un réservoir que de 11 litres. La bonne idée, une prise USB, histoire de brancher votre GPS. On a une selle, ma foi, assez confortable, malgré tout, hein, c'est bien. La possibilité de prendre un passager ou une passagère.
le porte-bagages est lui aussi en série. Vous voyez, c'est assez sympa comme machine. Hein. Côté pneumatique, on retrouve donc cette Timson. C'est un peu surprenant parce que bon, ce sont des pneus, comme vous voyez, quand même assez crantés. Alors effectivement, dans les petits chemins et sur les sentiers, ça fonctionne à merveille. Maintenant, j'ai roulé aussi sur les routes mouillées. Bon, ça va, mais il faut quand même avoir confiance et ne pas non plus exagérer côté rythme. Bon, c'est pas évidemment des pneus prévus pour rouler uniquement sur l'asphalte, mais un usage mixte, et de ce côté-là, en usage mixte, je trouve que ça lui va plutôt bien. Et forcément, avant de reprendre la route, eh bien, on va parler aussi du prix de cette Vosges 300 Rallye, et là, ça pourrait être une bonne surprise, puisqu'elle est affichée à 4 800 euros, comme vous la voyez là, donc avec le protège-moteur, les protège-mains, le porte-bagages, l'ABS déconnectable. Donc l'un dans l'autre, c'est pas mal du tout, à condition évidemment de savoir ce que vous voulez en faire. Pour aller travailler, ok, mais si c'est pour prendre l'autoroute tous les jours, là, c'est pas franchement l'idéal. Le moteur vous le rappellera assez rapidement. Alors vous avez aussi ceci, c'est une protection sur... le levier, et d'ailleurs si vous prenez les grands axes, vous le voyez sur la vidéo, ce levier vibre vraiment beaucoup, à tel point que la protection part un petit peu plus loin. Ça c'est un petit peu dommage sur cette moto, mais mis à part ça, pas grand chose d'autre à vous signaler. Et puis bah, du fun, comme je vous le disais, c'est surtout le gros avantage de cette moto. Alors, évidemment, je ne sais pas si tu vas entendre grand-chose, parce que bah ouais, le casque cross vintage, c'est bien, mais ouais, forcément, l'insonorisation, c'est nul. Donc, voilà, c'est grand, grand ouvert. Oh là, ça, je m'attends déjà pas à voir du monde ici. Hop. Alors, on commence. Hein. Heureusement qu'on a des pneus mixtes, enfin, même plus que mixtes, hein, puisqu'on a vraiment des pneus tout-terrain. Et puis bon, allez, je vous fais encore une belle petite balade sur les petits chemins avant évidemment de conclure l'essai de cette Vosges 300 Rallye. Et forcément, ben, on peut se mettre debout sans aucun problème. C'est même très facile. Et je vous avais promis un petit morceau hors asphalte. Ah ouais, c'est fun quoi. Bon, on va bien devoir conclure quand même, mais la rente cette moto. Dommage, non? Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette Vosges 300 Rallye sur notre site. Quant à la tenue, vous l'avez déjà découvert normalement, puisqu'il s'agit de la tenue Alpine Star Halo. Eh ben oui, il fait aujourd'hui très très chaud. Et en plus, comme j'ai pris les petits chemins, autant rester aéré. Le casque, vous l'avez aussi déjà vu, il s'agit d'un ex. Bon, vous retrouvez l'article complet très bientôt sur notre site, www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.